Eh bien, on reprend nos conversations de salon avec Marie-Laure Leclerc de Souza. Bonjour. Bonjour, Ariane. Marie-Laure, tu es présidente notamment de la commission de la FNAIM Entreprise. Qu'est-ce que c'est FNAIM Entreprise ? Alors, FNAIM Entreprise, c'est une des commissions donc, qui est logée au sein Je de la Je savais qu'il y avait des commissions dans l'histoire. Voilà, exactement. Et nous avons comme vocation de travailler entre professionnels de l'immobilier entreprise, donc pour faire part de nos besoins, de comprendre ensemble de quelle façon ce métier évolue et d'évoluer avec la fédération, donc pour représenter l'ensemble des professionnels de l'immobilier qui travaillent donc entre professionnels sur le bureau, l'activité, le retail et la logistique. Ça représente beaucoup d'adhérents. Alors aujourd'hui, nous représentons à peu près une quarantaine d'adhérents, mais ce sont des gros adhérents, puisque effectivement, un adhérent représente une société et nous avons des grands groupes internationaux qui sont représentés au sein de cette fédération, puisque dans chacun de ces adhérents, les agences représentent entre 300 et plus de 500 personnes. Donc effectivement, ce sont plutôt des adhérents de taille au sein de cette commission. Toi-même, tu diriges une grosse société du secteur. Moi, je dirige effectivement le département agence qui est un département au sein de l'entreprise Jones Lang LaSalle, JLL, à peu près 300 collaborateurs et effectivement nous travaillons dans le domaine du bureau, du retail, de la logistique et de l'industriel, donc entre professionnels et sur tout le territoire français. Tu es une femme en vue dans l'immobilier et j'insiste sur le en vue parce que elles sont finalement assez peu. Alors, on n'est jamais assez, évidemment. Je suis complètement contre les quotas. Malgré tout, on peut faire quelque chose encore pour plus de parité. Et cela en donnant un petit peu plus confiance en soi, à nos collaboratrices, aux directrices de département, pour leur donner envie justement et la possibilité de concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Et toi, malgré ton emploi du temps surchargé, tes responsabilités, ta vie de famille, tu trouves le temps malgré tout de siéger au CNTGI? Alors, je n'y suis que suppléante de Christine Fumagalli, qui elle est assidue au sein de la commission. Et effectivement, j'essaye d'apporter une valeur ajoutée que je n'ai pas encore beaucoup au sein de cette commission sur l'immobilier d'entreprise. Alors, j'aimerais maintenant qu'on revienne sur les enjeux importants de l'immobilier d'entreprise aujourd'hui et surtout demain, les grandes tendances qui se dégagent. Alors, on a une tendance très importante qui est la transformation de ce métier. L'immobilier est une matière vivante. Aujourd'hui, l'immobilier entreprise est en train de se transformer. On parlait d'immobilier d'entreprise, donc on mettait l'immobilier en premier. Et aujourd'hui, on va parler d'immobilier d'entreprise au pluriel, puisque la façon de travailler des entreprises, la façon dont elles gèrent leurs collaborateurs, va au contraire avoir des conséquences sur l'immobilier et pas l'inverse. Le paradigme s'est retourné, et ça, c'est très important. Et effectivement, aujourd'hui, l'immobilier d'entreprise doit faire face à des enjeux mondiaux, internationaux, que nous connaissons tous, qu'ils soient autant liés au développement durable, à la guerre des talents, à l'innovation, à l'apparition du digital. Et aujourd'hui, l'immobilier d'entreprise doit prendre l'ensemble de ces considérations en jeu pour pouvoir répondre aux exigences de nos clients. Merci beaucoup, Marie-Laure, d'avoir été avec nous pour cette conversation de salon. Avec plaisir, Ariane. À bientôt.